Eh bien, salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of War, la troisième. Alors, mon plan pour l'Allemagne s'est mal passé. La Pologne à ce moment-là est bientôt annihilée. Alors, qu'est-ce qui m'en empêchait? Bah, simple, hein. La Yougoslavie, la Perse, la Finlande et la Mongolie. Voilà. Ils m'ont tous les quatre empêché. J'ai pris Tanutuva. D'ailleurs, ils me l'ont repris ici, il faudra que je reprenne. J'ai pris les petits pays qu'il y avait là. Et les bots se sont affolés, ils m'ont attaqué tous les quatre à la fois. Le plus drôle, ça a été la Roumanie. Il me semble avoir dit dans la dernière vidéo où mes troupes traversaient le pays, trois grosses armées, et où ils ont décidé de m'attaquer au moment où les troupes étaient sur leur territoire. Alors forcément, si j'ai dit, j'étais reco le matin et j'avais pris la moitié du pays déjà. Donc voilà. T'as la Bulgarie qui a hérité d'un petit point de révolte qui a eu lieu. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'Allemagne a dit je vais prendre la Pologne. Moi j'ai dit anglais fais quelque chose. L'anglais a essayé de faire quelque chose, il a perdu du coup le Danemark. J'ai pu avoir au final Cuba en cours de développement. Hein. On aime quand ça bug. Hop. Et donc pour la suite, pour ce qui s'est passé, en fait c'était simple. Il y a eu une guerre entre le Japon et la Chine. Donc moi je suis arrivé après, j'ai dit bon les gars, je veux de la Corée, je prends la Corée du Nord, le Japon me l'a mis à laisser. Il a fait son petit RP en disant la Corée du Sud est devenue autonome. Et le Japon veut se venger. Donc il attaque la Corée. Moi je dis, attention, si tu attaques la Corée, je viendrai te chercher. Et c'est lui qui est venu. Je me suis fait déboîter le cul, enfin, déboîter. J'ai fait me faire déboîter le cul en Corée, et puis j'ai fait, ouais, temps mort. On arrête. Cessez le feu. C'était une prévention que j'ai fait, il l'a pris en action. Voilà. Et entre-temps, la Yougoslavie me déclare la guerre. La Perse. Donc au début, je me démerde, je ramène des troupes qu'il y avait par là, en bas, pour lutter contre la Perse. Et au final, eh ben, je me fais avoir. Parce que la Mongolie m'attaque à son tour. Elle prend quelques terrains. Les terrains qui sont ici, c'est les terrains mongols. Celui-ci, ce qu'il y avait là aussi, c'était pris par la Mongolie. Et je m'en suis pris plein les dents. Pour continuer, la Finlande m'a déclaré la guerre, elle aussi. Je m'en suis aperçu en rentrant ce matin. Elle avait pris jusque-là. Tout ça, c'était à elle. Tout ça, c'était à elle. J'avais des parachutistes que j'ai pu transporter de droite à gauche. J'en ai envoyé quelqu'un sur la capitale, mais ils se sont fait déboîter. Mais au moins, elle a perdu sa capitale. Donc déjà, moins de soutien au niveau du pays. Et là, il y a des petites troupes qui marchent à droite à gauche. J'en ai d'autres qui vont les poursuivre. Hop, maintenant on va construire. J'ai pas assez, tant pis. Donc voilà ce qui s'est passé. Entre-temps, apparemment, le président des USA se serait fait capturer. Le Mexique a décidé d'annexer toute. Wow, le lag. Toute l'Amérique centrale. Hein. Finalement, mes troupes à Paname n'ont pas eu le temps de servir. Elles n'ont même pas eu le temps d'arriver, en fait. Du coup, elles sont directement parties à Santiago de Cuba. Ouais, cousin. Et donc, c'est comme ça qu'avance. L'Afrique du Sud a fait faire des petits coups d'État dans toutes les régions. Pas japonaise, portugaise. D'accord. Italie qui se balade vers la Chine. Il a enfin commencé son expansion. Ça va piquer quand il va vraiment entrer en guerre. La Suède se rattrape. Elle avait mal commencé, mais elle poursuit, elle arrive à tenir. Hein. Elle a pris du coup la Norvège pour sortir du terrain. La Finlande va. Elle va m'aider pour la Finlande, elle veut du territoire. Elle en prendra si elle en veut. L'Empire allemand veut une partie de la Yougoslavie. Il m'a dit, ouais, on coupe le pays en deux. J'ai dit, comment ça, on coupe le pays en deux? Il a dit, bah au moins, comme ça, on fait moitié-moitié. Enfin, je lui ai dit, il a dit, d'accord. Je lui ai dit, moi, je veux Dubrovnik, parce que ville côtière de la Méditerranée, Sarajevo, Belgrade, ainsi que les deux régions qui sont là. Il m'a dit non. Lui, il veut me laisser Dubrovnik, là, comme ça, ici, et ça est remonté là. Et tout ça serait à lui. Moi, je lui dis, copain, j'ai pas que ça, j'ai pas 5 chats à fouetter, hein, j'ai que 4 mains, donc je peux me faire que 4 pays à la fois.
Donc, tu veux la Yougoslavie, tu viens la chercher. Je vais pas t'attendre. Ça risque de déclencher une guerre entre nos nations. On verra comment ça va se dérouler. Sachant que lui, tout est sur le front polonais pour l'instant, qui va arriver petit à petit à mes portes. Parce que oui, on rappelle, la Pologne est ici. Et moi, je suis là. Alors bon, après, ce serait à double tranchant pour lui, puisque, bah, en fait, on se prendrait à revers chacun. Lui me prendrait dans le flanc droit, moi, je prendrais par-dessous. Ce serait assez con, quand même. Mais on va voir comment ça se déroule. Donc voilà, petite mise en situation. Au niveau des déclarations, oui, la Corée du Sud est jouée par un ami du Japon, du coup. Les troupes et les maniements des armées se font par cette personne. Ça lui promet un autre petit RP. Ce serait mieux que cette personne se crée un vrai compte la prochaine fois. On va s'arrêter là pour cet épisode. Il aura été court, ça aura fait que 6 minutes, mais c'est ce qui s'est passé dans les grandes lignes. Après, dans le journal, ce qui s'est passé d'intéressant, bah, rien de spécial. Il y a eu quelques histoires politiques, si. Dans les nations les plus riches, d'ailleurs. Voilà, je me situe en 8e position, le Mexique avant moi, l'Angleterre en 5e. Là, il y a l'Angleterre, il me semble. Et oui, c'est ça. Je suis en 8e position. Je suis aussi la nation la plus crainte du jeu. Pour que les bots m'attaquent, faut vraiment que... que le jeu me déteste. Mais bon, tout ça est une question de temps. Que pensez à vous abonner, liker la vidéo si elle vous a plu. La petite cloche pour voir la prochaine. Surtout que la prochaine, la guerre contre l'Allemagne risque de commencer. Donc l'Italie aussi, que j'ai toujours aucun contact avec l'Italie. Hein. J'ai aussi une idée de vidéo qui serait de... Bon, c'est pas très très original, mais c'est les faux raccords dans les films. Si vous avez des films ou des séries que vous aimez bien, proposez-les en commentaire, que je voie si elles me plaisent. Et si elles me plaisent, je ferai un plaisir de faire une vidéo faux raccords sur la série. Si c'est une série, il y aura donc saison 1, saison 2, saison 3, chaque saison on voit son truc. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les dire aussi, du coup, que ça avance un petit peu. Puis voilà. Un petit coup de vodka, un calibre de 80, et on dégage la copine pour un T34. Peace !